الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans cette vidéo, Inch'Allah, j'adresse un message surtout aux parents. Aux parents qui, malheureusement, aujourd'hui, ont rendu très difficile le mariage au point où on en a à l'appel aujourd'hui, hein, dans notre jeunesse, des frères et des sœurs pieux et pieuses, des gens qui se sont préservés pendant plusieurs années, qui n'arrivent plus à se marier. Pourquoi ? Car, malheureusement, ils ont un frein à main tiré qui est les parents. Alors, bien sûr, les parents ont leur place en islam. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, on le sait, il les a valorisés dans le Coran, ils sont valorisés dans la sunna, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne leur obéissance juste après avoir ordonné at-tawhid dans le Coran. Tout ça, on ne touche pas. On sait que la mère a une place aussi privilégiée, qu'elle a été évoquée dans des hadiths authentiques à plusieurs reprises. On sait aussi que le père a son importance. Bref, tout ça, je ne vais pas m'attarder dessus. Chaque musulman et chaque musulmane a déjà, je pense, écouté plus d'une fois des rappels sur le bon comportement envers les parents et l'obligation de leur obéir et de ne pas leur faire du tort. Et ce, jusqu'à leur dernier souffle, c'est comme ça que le musulman il est. Par contre, les parents, malheureusement, on leur fait rarement des rappels. Les parents, voilà, ils ont des enfants. Des fois, ils vont transgresser des lois de notre religion, et puis pour eux tout se passe bien, il n'y a rien. De toute façon, ça s'est normalisé, banalisé aux yeux des gens, il n'y a pas de souci. On n'y voit pas le mal. Alors aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention, mes frères et vous, mes sœurs, qui avez des enfants, ou vous qui êtes sur le point d'en avoir, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs que certains parents. Aujourd'hui, malheureusement, pourquoi le mariage, il a été, c'est devenu un obstacle, c'est devenu quelque chose de difficile. Pourquoi aujourd'hui nos jeunes n'arrivent plus à se marier facilement? La raison est simple. Alors, on regarde son origine, ça colle pas, on le met de côté. Surtout l'argent. L'argent, on regarde, ah il est pas riche, il va pas te mettre bien lui. Allez hop, de côté. On regarde son rang social, on regarde. Et puis malheureusement, je le dis encore une fois, malheureusement, il y en a un paquet, je ne généralise pas, ok, j'essaie d'être juste, un paquet qui ne regarde pas la religion. Plus important, c'est quoi? Il est beau, mashallah, nawar, hein, il a de l'argent, il a un bon diplôme, allez Benti, lui tu seras heureuse avec lui. Seulement, c'est pas souvent le cas. D'ailleurs, c'est même ces profils-là, malheureusement, qui ont des séismes dans leur couple qui ne se terminent pas et qui nous viennent souvent, donc ici, là où on travaille, à la mosquée, pour nous faire part de leurs problèmes. Il y a un réel problème, c'est aujourd'hui les parents ne veulent plus faciliter le mariage. Alors qu'à l'époque, quand on regarde à l'époque de Nabi alayhi salatu wasalam, l'affaire elle était hyper simple. Hyper simple. Et pour pas m'attarder dans cette vidéo, je vais raconter une histoire, Inch'Allah, d'un parmi les grands tabi'in qui s'appelle Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah. Cet homme-là, l'imam Ahmad, rahimahullah, il dit qu'il fait partie des meilleurs tabi'in. Les tabi'in, vous le savez, c'est la génération qui vient après les compagnons. Cet homme-là, c'était aussi le gendre d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, et c'était l'un des plus grands savants de son époque. Ok ? Il était à Médine, il enseignait. Et puis, le calife de son époque, donc Abdelmalik ibn Marwan, avait demandé sa fille pour son fils. Et il a refusé. Il a refusé de donner sa fille, à qui ? Au fils du calife. Tout en sachant que, qui dit fils du calife, dit quelqu'un qui est plein aux as, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui va la mettre super bien, sera dans le confort, dans le luxe, etc. etc. C'est pas ce qu'il a regardé, Saïd, rahimallah. Il a regardé ce que la religion regarde dans un premier temps, à savoir le comportement et le din de l'homme. Et il s'est pas dit, lui, il a beaucoup d'argent, l'histoire elle est réglée, elle sera heureuse, elle sera dans des grands palais, etc. etc. Non. Saïd, rahimallah, ce qui est impressionnant, vous savez c'est quoi? C'est qu'il a donné sa fille, à la fin, à qui? À un de ses étudiants, Abu Wada'a, qui était pauvre. Et Abu Wada'a, il a une histoire, elle est vraiment impressionnante avec Saïd ibn al-Musayyib. Donc ça, vous retrouverez dans cette histoire dans Kutub al-Tarajim, dans plusieurs livres de biographie.
Saïd ibn al-Musayyib, dans son assemblée, il y avait un parmi les étudiants qui s'appelait Abu Hada'a, qui s'était absenté un certain temps. Et puis, un jour Saïd l'a rencontré, il lui dit: Où es-tu? On ne te voit plus. Il lui dit: J'étais occupé ces derniers temps car voilà, j'ai eu une épreuve. Ma femme est décédée et j'étais donc occupé à l'enterrer. Et là, il lui dit: Mais pourquoi est-ce que tu ne nous as pas appelé afin qu'on te console, qu'on te soutienne dans cette épreuve, etc. Et il lui dit: Est-ce que tu t'es remarié? Il lui dit: Qui voudrait de moi? J'ai pas d'argent, je suis pauvre. Il lui dit: Moi, je voudrais de toi pour ma fille. Et là, il n'y croyait pas. Il lui dit: Écoute, viens avec moi. Et puis, il lui a donné sa fille en mariage. Abu Hadar, il rentre chez lui. Il est hyper heureux. Vous ne pouvez même pas imaginer la joie qu'il porte dans son cœur. Aussi facilement que ça, subhanallah, il a regardé la religion de l'homme. Dans un premier temps, son dîn. C'est un homme qui a at-taqwa. C'est un homme qui a mahabbatullah fi qalbi. Il aime Allah et son prophète dans son cœur. Cet homme-là, il va pouvoir prendre soin. Parce qu'on se dit tout le temps, quoi. Je veux donner ma fille à quelqu'un qui va en prendre soin. Mais si une personne aslan, de base, ne respecte pas les commandements d'Allah et du prophète, comment veux-tu qu'il prenne soin de ta fille et qu'il ne la laisse pas et qu'il ne lui fait pas goûter, malheureusement, des verres amers chaque jour? Donc, Saïd ibn al-Musayyib, il lui donne sa fille en mariage. Abu Hadar, il rentre chez lui, il est hyper heureux. Il sort du pain et de l'huile pour rompre son jeûne parce qu'il jeûnait. C'est comme ça qu'ils sont les pieux, ils jeûnent, ils étudient la science, ils apprennent le Coran, etc. Et puis, pendant qu'il est en train de... Donc après le Maghrib, il a prié, il est en train de rompre son jeûne, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Il se lève, il est étonné, il dit: Qui? Il entend Saïd. Il dit, donc c'est Abu Hadar qui dit: J'ai pensé à tous les Saïd, sauf Saïd ibn al-Musayyib, car pendant 40 ans, il avait un trajet qui était connu. Maison, mosquée, mosquée, maison. Il n'avait pas d'autre trajet. Donc il a pensé à tous les Saïd, à part Saïd ibn al-Musayyib, le grand savant. Il ouvre la porte, il est étonné, il voit le grand savant devant lui. Il lui dit: Oh imam, ya Abu Muhammad, ô père de Muhammad, pourquoi est-ce que tu ne nous as pas informé afin qu'on vienne à toi? T'es un grand savant, c'est pas à toi de te déplacer pour moi. Et là, regardez la modestie, il lui dit: Non, c'est plutôt toi que tu mérites que je vienne à toi. Il lui a dit, donc c'est Saïd ibn al-Musayyib, lui dit: J'ai réfléchi à ton cas, que je t'avais donné ma fille en mariage et que... Tu étais célibataire il y a quelques heures et que maintenant tu vas passer ta nuit seul. Et je dis: Non, c'est pas possible. Et là, je suis venu pour t'apporter ton épouse. Et là, Saïd ibn al-Musayyib s'écarte et il prend sa fille et il lui dit: Rentre chez ton mari. Et il les laisse et il leur fait des doigts et il part. Il part. La femme de Abu Hadar, elle était tellement pudique que quand elle est rentrée à la maison, elle s'est évanouie. Elle a pas tenu. C'était trop pour elle. Elle était trop pudique, d'une éducation exemplaire. Là, Abu Hadar, quand il a vu qu'elle s'est évanouie, il s'est précipité pour cacher l'huile et le pain. Il avait un petit peu honte de sa situation très modeste. Et puis, ben, il est monté sur le toit de sa maison et il a commencé à annoncer à tous les voisins qu'il s'était marié. Donc, il fait l'annonce pour que, bien sûr, les gens sachent que cette femme qui rentre et qui sort de chez lui est son épouse. Rapidement, sa mère est informée et sa mère lui dit: Tu me la laisses un certain temps afin que je te la prépare, je te l'embellis, comme on embellit une... On prépare une femme pour le mariage. Donc elle est pendant 3 jours avec la mère d'Abu Hadar. Et quand elle est arrivée chez son mari, Abu Hadar a dit: J'ai vu l'une des femmes les plus belles de ma vie. Elle était d'une beauté impressionnante. Et elle faisait partie des femmes qui connaissaient le mieux le Coran, qui maîtrisaient le mieux la sunna du prophète, et qui surtout connaissaient les droits du mari. Donc il a passé avec elle un moment plus qu'agréable. Regardez, subhanallah, ce qui est ciblé. Ce qui est ciblé par nos ancêtres, c'est surtout ad-din. Surtout ad-din. Bien sûr, je vais équilibrer la balance après l'histoire, parce que certains vont dire: Bon, donc si l'ad-din, il travaille pas, il est à la maison, il fait rien, il bouge pas, il cherche pas de travail. Il est... Non, 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 non. On arrive à tous ces points à la fin, inchallah. Donc, Abu Hadar, il reste un certain temps, il s'absente du cercle de Saïd ibn al-Musayyib, son cher. Puis, un jour, il retourne à ce cercle, il assiste au cours de son cher. Et puis après que le cours est pris fin, le cheikh rapproche Abu Hadar, il lui dit: comment ça va en ce moment? Il lui dit: Alhamdoulilah, ça se passe très bien, il prend des nouvelles. Et ça aussi une grande leçon. Il n'est pas là, comme malheureusement beaucoup de familles, à mettre leur nez partout dans leur couple jusqu'à les pourrir malheureusement. Vous savez, cette curiosité malheureusement de certains parents, hein, mal placés, où à chaque fois qu'il va se passer quelque chose dans un couple, qu'est-ce qu'il t'a dit, qu'est-ce qu'il t'a fait, pourquoi, dis-moi. Raconte-moi, oh là là, bah vas-y, fais-lui ça. Non, non, non.
et c'est pas mêlé de ce qui ne le regarde pas. Ok? Ils apportent bien sûr des conseils, mais restent toujours distants pour qu'ils gèrent leur couple tranquillement. Et d'ailleurs, c'est un petit message, je reviendrai dessus plus tard, Inch'Allah, avec les couples. Moins vous raconterez à vos familles, mieux vous vous porterez. Ok? Mais ça, on en parlera plus tard, Inch'Allah. Et donc après, Saïd ibn al-Musayyib, à la fin de la discussion, il le laisse. Et quand il rentre chez lui, il trouve, donc Abu Wada'a, une bourse, une immense somme que Saïd lui a envoyée pour qu'il puisse bien démarrer sa vie. Il lui a laissé tout cet argent. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que Saïd, rahimallah, il a refusé le fils du calife. Saïd, ça veut dire quoi le fils du calife? Aujourd'hui, on ne parle pas du fils d'un président ou d'un roi. On parle juste de quelqu'un qui est aisé, qui a une notoriété, qui a de l'argent. Tout le monde lui court après. C'est pas ce qu'il a recherché. Et la morale de cette histoire, toi qui es père de famille, toi qui es mère de famille, c'est qu'il faut que tu comprennes un truc. C'est qu'un jour, tu vas quitter ce monde. Et je sais que ton plus grand souci, c'est de livrer ton enfant à une personne qui va en prendre soin. De lui donner ton enfant, si c'est un garçon, à une femme pieuse qui va prendre soin de lui, ou à un mari pieux qui va prendre soin d'elle. Mais pour ça, il faut qu'il y ait la religion. Il faut qu'il ait digne. S'il n'a pas de dîn, s'il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas craindre Allah envers sa fille, envers ta fille. Ta fille, il va lui faire voir, malheureusement, il y a des épreuves de toutes les couleurs. C'est pour ça que quand tu veux cibler, cible la religion. Après, quand on dit cible la religion, on n'est pas en train de dire ferme l'œil sur le travail, etc. Non, non, il faut qu'il ait quand même un minimum. Mais voilà, comprenons aussi qu'un jeune, quand il commence à demander une femme en mariage, il est en train de se construire. C'est pas un plein aux as tout de suite, c'est voilà, il a peut-être à peine de quoi se nourrir, se vêtir et puis couvrir les frais d'un foyer. N'en demandez pas trop. Regardez aujourd'hui en demandant les dots que vous demandez, en conditionnant les grandes salles de mariage avec les cortèges que vous demandez, en demandant qu'ils passent des vacances dans tel pays à tant de prix, etc. Mais vous avez rendu impossible le mariage. À la fin, quelle porte est ouverte aux jeunes? Ben, les portes de l'illicite. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Nos jeunes aujourd'hui sont noyés dans les réseaux sociaux. Malheureusement, je le dis, et puis sans tabou, dans la masturbation, dans la fornication, etc. Pourquoi? Parce que les parents rendent trop dur l'accès au mariage. Donc, Allah ibalik fikoum, Allah ihfadkoum. L'argent, si vous, vous vous comportez avec votre fille comme si c'était de la marchandise, et vous êtes en train de faire des enchères, qui va prendre ma fille pour la plus grande dot, etc., ben sachez que le mari va se comporter avec elle comme si c'était une marchandise. Et il lui dira, je t'ai ramené avec mon argent, et il va lui faire entendre des paroles qui font mal. Tandis que si c'est quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala, il va bénir ce foyer. Il va le bénir, c'est-à-dire que rapidement, l'argent leur suffira. Ils seront bien sûr éprouvés, comme tous les couples du monde. Et puis peut-être, ils n'auront pas d'enfants tout de suite, ou ils auront des petits pics sur la santé, etc. Mais leur relation avec Allah fera qu'après quelques turbulences, ça va passer. Ça va passer, l'oiseau va finir par s'envoler. Mais si vous bloquez l'accès, ce qui va se passer, c'est quoi? Un façade énorme va toucher la Ummah et malheureusement il a touché aujourd'hui énormément de gens dans notre communauté. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas rendu simple le mariage à la jeunesse. Un minimum bien sûr pour qu'ils puissent faire vivre ta fille, ok? Mais arrêtez de demander un super riche et de demander des trucs en vous comparant à un tel. Regarde, elle quand elle s'est mariée, elle avait 8 robes dans sa soirée en location ou en achat. Et puis elle avait une salle à 10 000 euros, puis le traiteur à 4 000 euros. Et puis son mari lui a ramené, puis son mari lui a acheté, puis son mari il lui a équipé une cuisine de je ne sais où. Arrêtez, arrêtez. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas vivre la joie, il ne faut pas connaître la farha avec l'enfant, surtout si c'est votre premier ou votre enfant unique. Mais un équilibre, Allah ihfazkoum. Soyez heureux. Et faciliter la tâche pour que vos enfants aussi soient heureux. Vous n'allez pas vivre longtemps. Vous allez mourir tôt ou tard. Et si vous ne laissez pas vos enfants entre de bonnes mains, ben, sachez que ça va être problématique après votre mort, car votre enfant va souffrir après votre décès et vous en aurez été la cause. Fallah ihfazkum barakallahu fikum. Préservez vos enfants. Mettez-les dans un cercle de sécurité en les connectant avec des personnes pieuses. Et faites comme Saïd ibn al-Musayyib. Le plus important pour lui, c'était de trouver un homme responsable, un vrai homme avec un H majuscule, quelqu'un qui est dans le din. Lui, on le pousse, on investit sur lui et Allah subhanahu wa ta'ala, il fera porter, inshallah, beaucoup de fruits de ce couple. Et voilà, et c'est comme ça. Et pareil, pour la fille, ne visez pas une fille, hein, vous qui voulez pour votre fils une femme pieuse, ne visez pas la fille qui est ultra méga belle et qui a de l'argent et qui est super intelligente et diplômée. C'est bien tout ça, mais s'il n'y a pas la religion, c'est une catastrophe, c'est une moussiba, c'est les premiers couples qui se cassent la figure dans les 6 premiers mois.
Vous qui êtes parents, rendez simple le mariage. Allah yahfazkoum, vous n'allez pas vivre longtemps. Et le plus important, je vous le dis, je le répète, quand je dis vous n'allez pas vivre longtemps, ça ne veut pas dire que vous allez forcément mourir demain. Bien sûr, vous pouvez mourir au moment où vous regardez la vidéo. Mais le prophète, dans son intermédiaire, il a dit ma communauté vivra entre 60 et 70 ans et peu d'entre eux dépasseront cet âge. Enfin voilà, notre durée sur terre, elle est courte. Mettons nos enfants en sécurité et faisons-leur vivre la vraie joie qui est celle de la foi. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته